Je m'appelle Anne Calongi, je suis plumassière au Vaudreuil et je vous invite à découvrir les coulisses de mon métier. Le métier de plumassière donc, est un métier où on travaille la plume, que ce soit dans la décoration, dans le spectacle ou pour des bijoux. Moi, je suis plutôt orientée dans les bijoux et les tableaux. Comment je suis devenue plumassière? C'est l'histoire d'une rencontre avec un formateur. J'ai regardé ce qu'il faisait et quand il a ouvert son carton avec toutes ses plumes magnifiques, ben, je suis tombée en extase. J'ai fait la formation il y a 5 ans. Et depuis, je ne pense que plume. Je ne vois que plume. Je fais des bijoux, c'est des boucles d'oreilles, des colliers, des broches. Là, je vais axer aussi vers le mariage. Pour moi, la plume, c'est léger, c'est le bonheur. Et quand on parle de tous ces qualificatifs, et ben on pense au mariage. Si je vois que les gens sont heureux de porter mes bijoux, il n'y a pas plus belle gratification en fait. Comment je vois mon futur? C'est toujours faire des salons, parce que justement, on rencontre des gens extraordinaires, que ce soit en visiteur ou en artisan. C'est ce qui me booste en tout cas, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Et pourquoi pas faire d'autres expositions un peu plus loin en France, voire à l'étranger, si j'ai l'occasion d'aller dans certains pays. Je suis très heureuse d'avoir partagé mon métier, ma passion avec vous. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager cette série sur vos réseaux.